Yo mon gars, aujourd'hui je vais vous présenter l'édition spéciale de Metroid Trade que je viens de recevoir. Alors un petit point au niveau de la livraison, faites attention parce que quand vous recevez votre boîte, vous avez simplement un film plastique comme ça là, ultra fin, donc aucune protection. Et avec le combo pour ajouter qu'il n'y a pas de protection, il vous rajoute ça. Donc c'est une feuille plastique où il n'y a aucune bulle à l'intérieur, c'est simplement comme ça. Donc autant vous dire que quand vous allez recevoir votre boîte, ne vous inquiétez pas si vous avez des pets au casque, comme on dit, c'est tout à fait normal. Ils s'en foutent que ce soit une édition spéciale ou non, ça ne compte pas, aucune protection là-dessus. Donc voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. Donc la boîte du Steelbook c'est comme ça, vous avez Samus ici, les ennemis en fond. À l'arrière, vous avez donc, je sais pas c'est quoi, hein, c'est le décor. Au niveau de la boîte intérieure, vous avez le logo là, Samus. Lui, je sais pas comment il s'appelle, mais en tous les cas, c'est très joli. Au niveau de l'ouverture de la boîte, alors, excusez-moi, hop, voilà, boum. Vous avez ici votre jeu, donc la possession du jeu qui est juste ici, voilà, sous blister, hein, heureusement. Il manquerait plus qu'ils aient tapé dedans. Ah, vous avez un. Ah oui, c'est vrai que vous avez un book aussi avec. Ça, c'est vrai. Vous avez un book de Metroid, parce que j'avais regardé au préalable un petit peu. Et vous avez des cartes. Alors, les cartes. Elles sont là, les cartes. Je vais vous montrer les cartes, les gars. Donc, hop. Voilà. La première carte. Waouh! En fait, quand vous faites ça, ça fait du multicolore. D'accord, ok. Je sais pas comment on appelle ça, la colorie, mais elle est sympa. Putain, ça me pète les yeux. Ah, vous avez celle-ci. Super Metroid Nintendo Entertainment System, juste au-dessus. Ok. Vous avez celle-ci. Très sympa également. Alors, elles ont tous cet effet de lumière, comment dire, multicolore, arc-en-ciel. Avec les petits monstres là en arrière-fond. Game Boy Advance, ok. Metroid Nintendo Switch, ça c'est le dernier, c'est le trade. Et celui-là, voilà, nickel, c'est la dernière évolution. Et ça c'est le tout premier. Ça doit être le Metroid Prime, là. Nintendo Entertainment System. Et au dos, bah voilà, c'est blanc. Alors, je vais pas vous ouvrir le book, j'ai pas forcément envie de l'ouvrir, je veux pas que la vidéo soit trop longue, et j'ai un problème de flash en plus également, donc désolé d'avance. Concernant le book, peut-être que je vous ferai une deuxième vidéo consacrée dessus. En tous les cas, voilà. J'ai reçu, faites gaffe, la livraison n'est vraiment pas opérationnelle.